Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? On a eu une semaine quand même assez écourtée. On a eu lundi le marché canadien qui était fermé et jeudi le marché américain. Puis jeudi, ben, ça s'est terminé mercredi à 13 h. Alors, c'était une semaine écourtée, mais quand même intéressante. Alors, vous savez qu'il y a une statistique qui dit que le 1er juillet, le premier jour du mois de juillet, cette année c'était le 1er juillet, serait presque toujours positif. Ensuite, on a la plage de temps entre le 26 juin et le 12 juillet sur le Nasdaq. Et l'expérience de moi, pour la comptabilité, là, comptabiliser le tout, là, je travaille avec le Nasdaq 100. Alors, aujourd'hui, on a eu quand même une belle journée. La semaine a été positive. Alors, comme vous voyez sur le tableau que je vous présente maintenant, on a aussi le S&P 500 et le Nasdaq qui nous ont fait des nouveaux hauts d'année. Ce matin, c'était les données sur le chômage américain, fait qu'une petite hausse de 4,10 versus 4% avant. C'est le plus haut taux depuis novembre 2021. Et là, la baisse de taux, vous savez, il y a des consensus, là, des analystes, et là, ça serait à 75%, le marché anticipe une baisse en septembre. Vous allez voir un peu plus tard dans cette vidéo-là où je vais parler des taux 10 ans, on voit déjà que le marché l'escompte déjà. Et ce qui m'a surpris cette semaine, et ça me plaît pas tellement, parce que je vais vous dire, ça me plaît pas tellement, on voyait les taux à court terme, là, avec une compagnie qui faisait des taux, puis disait 6% pour un rendement. Alors, il y a une autre série, là, qui roulent en masse sur Internet, là, et qui sont à peu près dans ces mêmes taux-là. Et moi, je vais vous ramener quand j'étais dans mon ancienne vie, quand j'étais courtier en valeur mobilière. Et on avait des entreprises pour la taxe sur le capital. Il fallait qu'ils investissent leur liquidité, comme de quoi que leur liquidité travaillait. Et il y avait des placements précis, là, qu'on devait prendre. Et il y était une période où, je pense que c'était en 2001, 2001, 2002, où on regardait les taux à court terme, puis les placements qui étaient admissibles pour la taxe en capital, et il y en avait d'autres placements à court terme dans des fonds mutuels. Et là, il y avait des rendements de 25 points de base de plus. 25 points de base de plus, c'est au lieu d'avoir du 4%, il y avait du 4,25. Et dans le marché obligataire, 25 points de base de plus sur un produit similaire, c'est énorme. Dans le marché obligataire, c'est énorme, là. Et là, on se posait la question. Comment vous faites pour donner 25 points de base de plus pour un même pro? Oh, on a des bons gestionnaires, tout ça. Et on a su après que c'était les subprimes qui étaient à l'intérieur de ces produits-là. Et moi, ça fait deux analystes sur le marché américain qui nous avisent, ils disent, les subprimes sont de retour. Alors, fait que là, faut être vigilant. Faut vérifier, là. On peut pas avoir des taux à court terme supérieurs à une obligation un an. Alors, tu sais, c'est mathématiquement impossible. Alors, fait qu'on va. Est-ce que les subprimes sont de retour? Bonne question. Alors, faut vraiment y penser et examiner vos actifs à court terme. Et aussi, on a eu le type de BCE qui a cassé, un beau support. Alors, vous savez, j'étais baissière sur le type de BCE depuis presque 2 ans, depuis plus de 2 ans, je pense. Et ce que je vais faire, ben, on va terminer ce segment-là avec le type de BCE. Et je vais aller vous démontrer pourquoi il était baissier. Et en même temps, je vais vous parler de la technique point de figure. Parce que la technique point de figure, c'est une technique qui nous permet de bien évaluer dans le temps où jusqu'où le marché pourrait descendre. Et vous savez, mais en même temps, pour travailler avec la technique point de figure, ben vous devez aussi bien connaître l'analyse technique, parce que c'est des bases. La base, elle est vraiment super important. Et je profite de cette occasion-là parce que c'est ma promotion de juillet. Alors, je vous offre le niveau 1, le niveau de la technique de base. Je vous l'offre présentement à un rabais de 60%. Alors, c'est vraiment la base de toute analyse financière. C'est la base, les moyennes mobiles, les indicateurs. Alors, si vous voulez bien performer,
au niveau de l'analyse technique, ben, notre niveau 1 est fait pour ça. Alors, allons voir maintenant BC. Alors, avant d'aller un peu plus en profondeur dans le type de BCA, cette semaine, je vous ai fait une petite annonce en vous disant que, il y avait une figure technique qui est extraordinaire qui se développait. Et je vais vous montrer ce que j'avais là. Fait que c'est une figure technique qui est rare. Moi, qui est dans le domaine depuis belle lurette, je vais vous dire, je suis restée sans voix. Quand à un moment donné, j'ai vu, oh, est en train de se préparer. OK? Alors, c'est une figure qui est très rare. Elle va nous donner soit une cible à la hausse ou une cible à la baisse. Puis en raison de sa rareté, ben, on pourrait avoir un beau swing par en haut ou en bas. Okay? Ça peut être. Mais cette figure technique-là, étant donné qu'elle est très rare, tout là, le mouvement lorsqu'elle se construit, bien, il faut l'expliquer, il faut le démontrer. Après ça, il faut arriver et dire, OK, est-ce que la technique point de figure nous donne une cible à la hausse ou une cible à la baisse? Et est-ce que mon Ichimoku va contribuer à m'aligner à la hausse ou à la baisse? Alors, c'est vraiment quelque chose de vraiment complexe et je trouve ça très important. Et j'ai décidé que cette figure technique-là, j'allais la démontrer, l'expliquer à mes étudiants seulement parce que il faut leur donner un avantage, là. Alors, fait que c'est ça que j'ai à vous dire. Si vous voulez prendre une belle formation, mais en même temps, ben, il y a quelque chose d'intéressant qui se prépare. C'est pas pour demain matin, mais c'est peut-être, là, dans les prochaines semaines à venir, là. Alors, c'est quelque chose de super intéressant. Alors, examinons le titre de BCA. Voyez-vous, on avait ici un très, très beau support. Il l'a cassé. Et là, il vient se rasseoir sur un autre support. Et présentement, on est à un niveau de 2013. Ça veut dire que depuis 2013, ceux qui sont dans le titre qui n'ont pas bougé, ben présentement, vous avez acheté en 2013, puis présentement, vous ne faites pas un sou. Alors, quand on dit t'achètes puis tu conserves pour le restant de tes jours, là, ben ça, c'est dans les comptes de fait seulement. OK? Parce que ça bouge continuellement. Alors, et vous savez, le titre de BCA, moi, c'est un titre que j'ai aimé beaucoup. Mais j'ai pas aimé la période où il y avait trop de mortels à l'intérieur parce que là, ça devenait problématique et j'ai une histoire à vous raconter un jour sur comment j'ai fait là, pour trouver là, les cibles sur le titre de BCA. Alors, fait que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, mais là, je vous dis, là, tu sais, là, on travaille avec le journal de la veille quasiment. Je vous dis, j'étais baissière. Alors, je vais aller vous démontrer à quel moment je suis devenue baissière sur le titre de BCA. Alors, pour ce faire, je vous emmène sur le site d'analysetech.com où c'est un titre où je fais des suggestions de titres à mes clients. Alors, vous êtes sur ma plateforme à moi, le côté, ce que j'appelle admin. OK? Alors, et ça, vous allez avoir des choses qu'un client ne voit pas en général. Alors, voyez-vous ici, on a le titre de BCA et regardez ici, on est le 24 août 2020. Et moi, je dis au client, lorsqu'il va ressortir hors de son viseau, à ce moment-là, il va sortir, puis il va descendre. Puis regardez ici, là, mais ça, c'est le genre de travail que je fais. Je vous parle de la moyenne mobile, du volume. Je parle de la variation quotidienne, de la volatilité. La volatilité, si vous faites des options, vous devez bien la comprendre. L'argent est là, dans la volatilité. Et voyez-vous ici, je disais, première cible, point de figure, 50 $. Et présentement, le titre est autour de quoi, 66 environ. Alors, moyenne mobile est à 65 avec, fait que voyez-vous, on est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et ici, j'ai mon point de figure qui m'annonçait la baisse. Ici, j'avais un point de figure qui était haussier, cible atteinte. Et après ça, on a un autre point de figure qui était baissier. Alors, fait que moi, tout le long en descendant, je suivais le titre de BCE et j'analysais, puis là, ben, je disais, OK, on est en train de vouloir casser, sortir. Ouais. Première des choses, sous sa moyenne mobile de 100 jours, là, c'est déjà catastrophique, hein, parce que ça faisait quand même un certain temps qu'il l'était. Puis, à l'intérieur d'un viseau d'élargissement, c'est pas nécessairement très positif.
Et là, voyez-vous, je vous emmène le 15 septembre 2020. Et regardez, il est sorti hors de son bisou et il avait cassé son support. Alors, c'est. Fait que voyez-vous, on était. C'était le. C'est de cette façon-là que je travaille. Pour les étudiants, mes clients étudiants, je les appelle mes étudiants, ceux qui sont dans ma formation, lorsque je fais un move, OK, je vais être dans le chat privé, je vais expliquer pourquoi je suis baissière, pourquoi je suis haussière. Et j'ai une étudiante qui m'a demandé, suite à cassure du support de cette semaine, Adeline, moi, je te connaissais pas, mais je l'ai acheté pas mal plus haut. J'aimerais, s'il te plaît, qu'on soit capable de bien saisir, de bien examiner lorsque le titre va avoir fini de descendre puis qu'ils vont partir à la hausse. Fait que je me suis engagée avec eux. J'ai dit, OK, on va s'asseoir, on va regarder les points importants, puis on va regarder aussi un peu le fondamental. Parce que moi, du fondamental, là, j'en ai fait de l'analyse de titres financiers, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup. OK? Alors, et lorsque mon fondamental et la technique point d'infigure concordaient, c'est-à-dire que les deux étaient baissiers, taux de réussite, là, vous savez que la technique point d'infigure, là, ça va de 85, 87% à 93, là, ou 95, en tout cas, c'est des. Ben, faut, ben, quand on avait les deux, c'était quand même. Intéressant, c'est, je vous dirais que c'est rassurant, OK? Lorsqu'on fait la technique point d'infigure, de dire, OK, j'ai une cible à la baisse ou une cible à la hausse, et là, après ça, je fais du technique avec pour bien analyser le titre. Parce que le technique, un graphique à barre, c'est ce qu'il y a de très important. Et lorsque je faisais du fondamental, moi, j'avais quelques. On a fait quelques. Il fallait savoir besoin de mes revenus, la croissance de mes revenus. Il y avait une partie qu'il fallait j'aille chercher l'environnement de le marché. Qu'est-ce que le secteur, qu'est-ce que le secteur fait de l'entreprise? Est-ce que mon entreprise, je suis en train d'analyser, elle performe plus que le secteur ou moins? Et à l'époque, j'avais on l'appelait le stratège quand je travaillais. Et ce stratège, ben, s'appelait Vincent. Alors moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec Vincent, fait qu'on a pu, j'ai pu raffiner une partie que l'institutionnel connaisse très bien. Okay? Alors, j'ai eu cet avantage. Alors, fait qu'allons voir maintenant BCA. Qu'est-ce qu'on peut faire avec BCA? Alors, BCA. Regardez, c'est l'écran qui a cassé sa moyenne mobile 200 jours. J'avais pas de cible point d'infigure encore à ce moment-là. Ma cible point d'infigure, elle s'est confirmée, elle s'est validée ici-là. Là. Quand j'ai, voyez-vous, j'ai le même graphique que je vous ai présenté tantôt. Là. Vous savez, je n'efface pas mes affaires là, parce que il faut regarder ce que le passé nous a donné. Alors, mais là, en parlant de ce que le passé nous a donné, présentement, vous savez là, que BCE, c'était de la télécommunication. Et ils font un move présentement au niveau technologie. Alors, tout ça, c'est, je vous ai, j'écoutais un podcast, là, Bruno, avec un grand nom, j'ai deviné quelque chose, là. Alors, c'était, il parlait avec un des présidents de BCA, puis c'est un peu la tangente qu'ils vont faire. Moi, personnellement, je sais que c'est un mouvement va demander beaucoup, beaucoup de liquidités. Bon, alors ça, c'est, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Présentement, voyez-vous, ils versent un dividende de 9,27 %. C'est énorme. Ça veut dire que le dividende qu'ils versent, ben, il est plus élevé que le revenu, que le bénéfice par action. Ça peut pas, c'est pas, mathématiquement, ça peut pas rester longtemps comme ça. Oui. Fait que le risque serait peut-être qu'il y ait une coupure de dividende, qui reviennent à un prix d'un dividende du marché. Bon, il y a un price en ligne de 22, les bénéfices de 1,93 $, il se transige à 14 fois les bénéfices, valeur comptable autour de 17 $, la dette. C'est la dette, le problème. C'est gros. Une dette de 184 %. Ça veut dire que, tu sais, quand on savait d'un monsieur,
Sterling, là, il faut pas des entreprises très endettées, lui, à 0,35, là, lui, c'est. Lui, on est à 1,84. Alors, voyez-vous, il rentre pas dans les critères de M. Peter Lynch. La seule chose que présentement qui est positive sur le, quand je regarde les bénéfices estimés pour la prochaine année, ils estiment que le bénéfice par action va passer de 2 $ à 3 $. 2025, on devrait avoir un bénéfice par action de 3 $. Bon. Alors, fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est surveiller trimestre par trimestre, est-ce que la croissance est au revenu? Parce qu'on est dans le marché boursier. Le marché boursier, il carbure en croissance. Une entreprise où la croissance n'est pas là, parce que je voyais de la croissance, mais il y avait une croissance de 1,2 %. C'est pas la croissance. C'est pas, alors, fait que c'est ça qui est très, très, quand on fait de l'analyse de titres boursiers, est-ce que mon titre est surévalué ou sous-évalué? Ben, il faut que mon bénéfice soit en croissance pour être capable d'avoir une valeur intéressante. C'est parce que présentement, il verse un dividende, et que le dividende qu'il verse vient diminuer la valeur comptable parce que le bénéfice est là, le dividende est plus gros. Parce qu'il y a deux postes qui peuvent faire varier la valeur comptable. C'est les revenus puis le versement des dividendes. Okay? Tu fais un emprunt, mais tu as une dette, un actif qui s'en va dans le compte de banque, tu as une dette qui est dans le passif. Ça bouge, ça change rien. Fait que, alors, voyez-vous, c'est ça, BC. C'est avec. Regardez, on va juste. Tant qu'à fesser sur le clou, là. Donc, ça fait 2 ans que je fais sur le clou. Alors, regardez, moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Il faut que la moyenne mobile commence à se stabiliser. Puis après ça, on va voir jusqu'où il peut aller. Avec la technique point de figure, quand on est à proximité là, de 10 % j'ai une cible à 38 $. C'est la cible que j'ai présentement depuis belle lurette. Okay? C'est 38 et vous savez que j'avais une cible intérimaire à 50 $ qui l'a touchée. Regardez ici quand il a touché mon 50, là. Regardez, il a fait 49. J'avais une cible à 50. Technique point de figure, c'est parfois c'est phénoménal. Et après ça, voyez-vous, il a rebondi. Une cible intermédiaire me donne souvent un rebond. Après ça, voyez-vous, il est revenu. Il n'a jamais été capable, après, de retourner au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Fait que ça, c'est un point aussi que tu dis, OK, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Ça prend des bons traders pour être dedans. Sinon, vous allez vous faire ramasser par le dip. Et là, je vais aller un peu plus loin. Je vais juste vous démontrer. OK, regardez là. Je ne compte pas de m'entrer. Ma cible, point d'intérêt à 38 $. Allez là. Je suis présentement sur mon support aussi à 40, 40, 41. Ça, là, voyez-vous, je pourrais venir en ici un autre, là, un autre support ici. Et là, je me suis là, à 39. Après, c'est vrai. Voyez-vous, là, il va y avoir une cascade de supports qui va arriver, là. Alors, fait, ce qu'on veut, quand on fait du technique, c'est de vérifier aussi le fondamental. Parce que souvent, ça va de pair. Et le technique, je vous dis souvent, ben, le technique devance le fondamental. Le marché, lorsque les bénéfices vont vouloir commencer à croître, ben, dites-vous bien que l'institutionnel va être là, va être dans le stock. Donc, on va arriver des pics de volume. C'est ça qu'il va falloir surveiller. Alors, fait que c'est ça. Avec mes étudiants, c'est ça, vous savez, c'est de la formation. Puis je dis souvent, ben, les étudiants, c'est comme les étudiants quand en médecine, ben, un jour, il faut qu'ils fassent ils prennent un scalpel et qu'ils fassent une incision sur un corps chaud. Ben, il y a pas, fait qu'il y avait à côté de lui quelqu'un qui était là pour les guider. Alors, fait que c'est ce qu'on fait un peu en analyse technique quand on donne de la formation. Alors, c'était le titre de BCE. Est-ce que le support à 42 va suffire? Est-ce que les résultats, alors, il faut surveiller là. C'est le point important présentement sur le titre de BCE parce que techniquement parlant, c'est pas très jojo. Alors, poursuivons avec les indices. Alors, examinons les indices. Alors, on va débuter avec les obligations 10 ans. Et comme je vous ai mentionné précédemment, ben là,
Il va peut-être avoir une baisse de taux en septembre et on voit très bien ici que présentement, le marché anticipe là, que les taux, là, moi, je pense qu'on va avoir un plancher autour de 4. L'indice de la volatilité, bien, on a une belle montée. La pression est en repli, mais toujours au-dessus de son dernier bas de à 11,52. Alors, ce qu'on veut, c'est que le marché, le VIX, l'indice de la volatilité monte, mais en même temps, ça va créer un repli sur les marchés. Le Nasdaq, un nouveau haut d'année, en zone de surachat, mais toujours à l'intérieur d'un beau triangle là, ou d'un biseau là, de sommet. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps que la poussée du Nasdaq est aussi forte, on voit la moyenne mobile de 100 jours qui est quand même toujours haussière. Alors, pour l'instant, tout va bien. Même chose pour le S&P 500, nouveau haut d'année, et lui aussi est dans une espèce de biseau d'élargissement. Alors, fait, pour l'instant, on le laisse monter, qu'on voit la moyenne mobile de 100 jours aller haussière. Le S&P TSX, ben, voyez-vous, aujourd'hui, on est quand même un petit repli là, sur l'indice. Et tout ce qu'on veut, c'est ici le support, là, il faut qu'il garde. Mais regardez, ma moyenne mobile de 100 jours, là, elle a perdu de la force par rapport si on le compare au S&P 500 et au Nasdaq. Et le Dow Jones, ben, voyez-vous, on s'est un petit peu plus fragile là, sur le Dow Jones. On est toujours à l'intérieur d'un couloir haussier. Puis vous savez que cette semaine, c'était une semaine un peu plus... Jeudi, c'était le 4 juillet, alors c'était la fête des Américains. Alors, on va aller, oui, on met ça. Fait qu'on est, on surveille là présentement une sortie hors de son couloir aussi. Alors, poursuivons avec nos 7 magnifiques. Alors, débutons avec celui, le leader, c'est Microsoft. Nouveau haut d'année aussi, super beau là. Écoutez, on est toujours dans des zones de surachat, moyenne mobile de 100 jours toujours haussière. Alors, vous savez, ça va prendre là, si on n'a jamais il veut corriger, ça va lui prendre quelques semaines là avant de vraiment fléchir un peu là. Alors, fait, pour l'instant, Microsoft, super de beau titre technique. Nvidia, ben, on voit, lui, sa faiblesse. Regardez, il est sorti hors de son couloir. Et voyez-vous, là, ma moyenne mobile, elle commence à vouloir un peu, à perdre un peu de force. Alors, puis, voyez-vous, là, on est possiblement en train de... Oh, je vais aller, on va aller le faire. Donc, on sait. Présentement, dans un petit couloir latéral. Mais je ne suis pas tellement haussière sur Nvidia. Tesla. Beau Tesla. Écoutez, la nouvelle, là, qu'il y a eu, ben, c'était quand même intéressant. Et voyez-vous, la nouvelle est arrivée avec du volume, sortie hors de sa moyenne mobile de 100 jours. Par contre, aujourd'hui, on a un pendu. Et on a une bonne résistance autour de 260. Ici, on avait une zone de résistance. Il rentre là-dedans. Alors, fait que ça peut avoir une petite prise de profit là, qui va s'opérer prochainement sur le titre de Tesla. Alphabet, et là, je vais aller vous enlever les bandes de Bollinger parce que c'est plus pertinent. Alors, voyez-vous, toujours haussier, moyenne mobile de 100 jours qui... À fin de jour, est en train de. Alors, c'est un super de beau titre. Alors, pour l'instant, on le laisse rouler, puis il va venir talonner. Là. Bien, Apple et Google, là, ils vont venir talonner Nvidia, puis pas, excusez, pas Apple. Amazon et Google vont venir talonner. Là. Ils vont essayer de venir en rentrer, là, se rapprocher de plus en plus là, de nos trois leaders. Amazon aussi, nouveau haut d'année. Alors, il y avait ici une bonne résistance. Il l'a percé sur du fort volume. Alors, fait qu'on laisse, on, pour l'instant, il n'y a rien de négatif comme tel sur le titre de Amazon. Et Apple. Apple s'approche enfin de ma cible pour un nain de figure. Alors, c'est la technique point de figure. Comme je mentionne, c'est une technique qui nous permet de calculer des cibles à la hausse ou des cibles à la baisse.
Et j'ai une petite histoire que je peux raconter là, qui va être disponible en vidéo là. Comment j'ai découvert la technique Quantum Figure. Écoutez, c'est une super de belle technique pour être capable d'aller chercher des mouvements haussiers. Alors, fait pour l'instant, Apple là, il s'approche de ma cible Quantum Figure. Écoutez, mes plateformes, nouveau haut d'année et belle sur un, quand même un très beau volume. Il est toujours, par contre, à l'intérieur de son couloir haussier. OK, alors, et là, il faut vraiment, si on veut, là, il faut qu'il sorte de son couloir. Avec force, qu'il nous fasse quelques belles chandelles, là, pour enlever le spectre d'un couloir haussier avec un renversement de tendance. Le beau titre. Mais voyez-vous, on par contre, les moyennes, la moyenne mobile de 100 jours est pas si espacée là, par rapport aux autres titres qu'on a vus précédemment. Alors, allons voir les commodités maintenant. L'or, il y a une très belle hausse aujourd'hui. Vous regardez des belles hausses, 2, 3 jours de repli, hausse, une journée, une autre hausse, et on va aller voir où est le volume. Regardez, le beau volume, le beau volume. Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau sommet sur l'or? Ben, je l'espère. Alors, le pétrole, on voit très bien une belle ligne de tendance baissière. Il est venu la tester. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, là, je vais aller vous l'agrandir. Regardez, aujourd'hui, l'or, le pétrole, c'est-à-dire, est un peu dans une position un peu plus délicate pour l'instant. Puis, voyez-vous, on est dans un couloir haussier. Vous savez, couloir haussier dit risque de renversement de la tendance en cours. Pour ce qui est du BTC, du Bitcoin, mais voyez-vous, on voit très bien là. On avait un très beau support, il l'a cassé, il a cassé même sa moyenne mobile de 100 jours. Et là, on voit qu'il est présentement, il est peut-être en train de nous donner une figure là qui pourra lui donner un rebond. Alors, mais vous savez que ce genre de figure-là, il faut absolument que lors de la prochaine session des transactions, que la figure soit montante. Sinon, la baisse va se poursuivre. Alors, c'est fait que ce qu'on veut, regardez ici, là, on a ici à 52 000, j'ai un petit support. Et si je regarde mon Ichimoku, ben ici, là, voyez-vous, j'avais un support là, il l'a percé. Et là, voyez-vous, le prochain, là, il est là, 45 000, puis un petit là, 52 000. Voyez-vous, c'est des petits supports qui vont, qui pourraient retarder un peu la baisse, là, le stabiliser, mais ça serait quand même assez surprenant que ça soit assez fort pour en faire une inversion de la tendance. Fait que pour l'instant, je suis encore, je surveille, là, je vais vous enlever les Shimoku. Pour l'instant, j'ai encore un signal technique à valider pour vous dire, c'est fait, oubliez ça, il s'en va à 50. Alors, mais on a encore un petit mouvement à faire ça. Alors, cette semaine, ça recommence à bouger au niveau des résultats financiers et c'est plus vendredi qu'on va voir là, que c'est intéressant parce qu'on commence avec le secteur des banques. Alors, on a JP Morgan, on a Citigroup, Wells Fargo. Alors, c'est trois quand même, trois majeurs. Et sur le marché canadien, on aura MTY qui dépose ses résultats cette semaine et on aurait peut-être Terra Technologies. Mais il n'était pas dans ma liste de Canadiens. Alors, je vois que là, je ne sais pas. Je vous garantis rien, là. Alors, fait, dans notre suivi de lundi, dans notre direct de lundi à 15 h 55, on va analyser les titres avec, on va regarder voir est-ce qu'on est haussier, ben ici, est-ce que la technique Quantum Figure commence à nous donner un signe là d'essoufflement ou fait que alors fait qu'on a quand même trois beaux titres à analyser, trois, quatre, cinq titres à analyser lundi lors de notre direct. Alors sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit lundi à 15 h 55.